des Guadeloupéens rassemblés devant un petit feu de camp et des tambours de goka qui résonnent jusque tard dans la nuit. Au petit matin, les flammes ont presque disparu. Mais devant le siège du SIAG, plusieurs citoyens sont toujours rassemblés avec la même ferveur. L'esprit est bon enfant, mais les revendications sont sérieuses. Ils réclament aux gestionnaires des eaux la mise en place de solutions pour un meilleur approvisionnement et une meilleure gestion de l'eau potable. Au début, c'était juste pour pouvoir répondre à une question qui est simple, c'est-à-dire comment approvisionner la population lorsqu'il y a une coupure d'eau ou que l'eau n'est pas potable. Donc on a vu différentes institutions qui nous ont indiqué que c'était à la responsabilité du SIAG. Depuis plus d'une semaine, on essaie d'avoir un rendez-vous pour juste savoir qui est censé mettre ce dispositif en place, c'est-à-dire distribuer de l'eau potable durant les coupures ou pendant que l'eau est impropre à la consommation. Et jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve à faire un sitting devant le SIAG parce qu'aucun responsable ne veut prendre ses responsabilités. Puis la semaine dernière, on a demandé un rendez-vous justement au SIAG. Donc depuis mercredi, ils avaient 48 heures pour nous répondre. Vendredi, on est arrivé sur place pour le rendez-vous. Vendredi, ils ont repoussé à lundi 17h. Lundi 17h, on était sur place. Ils étaient fermés, alors on a décidé de rester sur place jusqu'à ce qu'ils viennent nous voir, puisqu'on n'a plus le choix d'ailleurs. Hasard du calendrier ou conséquence directe de la mobilisation, les portes du SIAG sont effectivement bien fermées en ce jour particulier. En attendant, de nombreux citoyens concernés de près ou de loin par les problèmes d'eau sur l'archipel sont venus spontanément apporter leur soutien à la troupe. C'est pas comme si on demande des choses auxquelles on n'a pas droit. Ces gens-là sont payés pour ça, c'est leur travail et on ne demande pas grand-chose, on se demande de l'eau, c'est le minimum. On veut une eau qui arrive de façon continuelle à nos robinets et une eau potable, pas potable à 95%, pas 98%, pas potable. Parce que derrière, il y a des familles, il y a des femmes enceintes, il y a des gens qui ont des bébés, des nourrissons. Il y a des personnes âgées. Puisque ce n'est pas comme si on peut se passer de l'eau, c'est quelque chose de vital. Or là, ça veut dire que là, concrètement, c'est une sorte c'est pratiquement menacer les gens de mort. Il n'y a pas d'eau. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a dans certaines communes, il n'y a pas d'eau dans les maisons, il y a de l'eau dans les hôtels. Au bout d'un moment, on est obligé de commencer à se poser certaines questions. La vingtaine de citoyens rassemblés devant le siège de ce gestionnaire des eaux souhaitent poursuivre le mouvement jusqu'à l'obtention d'un rendez-vous avec les dirigeants du SIAG afin de trouver des réponses, voire des solutions aux problèmes d'eau persistants.